Le vol dissymétrique. Le vol dissymétrique, c'est lorsque l'avion ne vole pas symétriquement, c'est-à-dire qu'il vole soit comme ceci, soit comme ceci. On a équipé les avions de billes ou de brins de laine. Ils fonctionnent à l'inverse. Si mon brin de laine part à gauche, ma bille sera à droite, inversement. Si mon brin de laine part à droite, ma bille sera à gauche. Si je suis en vol dissymétrique, pour mettre mon avion symétriquement, en vol symétrique, je corrigerai au pied, le pied pousse la bille ou tire le brin de laine. Les risques du vol dissymétrique. Alors, en volant dissymétriquement, l'appareil crée plus de traînée et donc décrochera à une vitesse supérieure. Donc, majorer la vitesse. Et en cas de décrochage, au lieu d'un décrochage symétrique, où il suffira de récupérer de la vitesse pour récupérer l'avion, le décrochage sera dissymétrique, c'est-à-dire qu'il décrochera en vrille, et il sera beaucoup plus difficile de récupérer l'avion. En cas de vrille, si mon avion part en vrille à gauche, je pousse le manche pour récupérer de la vitesse, par contre je le garde au neutre, pas d'aileron, et pied inverse. Si je suis en vrille engagé à gauche, pied à droite.